Juste avant, je voulais vous montrer ce que j'ai reçu hier. Chance assez dingue. Ah oui, putain, j'ai oublié de vous montrer ça. C'est pas grave. Chance assez dingue. Hier, j'ai reçu. Regardez. Ah, la dingue. J'ai reçu la Xbox! J'ai la Xbox! On a la Xbox! La Xbox! Pour jouer à la Xbox! Pour jouer à FIFA et Call of, j'ai la Xbox! C'est un enfer, la Xbox! Donc c'est... voilà, c'est l'Xbox. C'est l'Xbox. Je suis refait en vrai. Voilà. J'ai reçu la Xbox, alors... L'enfer du slogan, l'Xbox, bien sûr. Du coup, tu vas prendre le Game Pass Ultimate. Je l'ai déjà. Ouais. C'est une console. Non, c'est un frigo. Mais attendez, vous voulez que je l'ouvre ou pas? Pour que je vous montre un petit peu ça. Alors, attendez. Parce que... Merde. Il y a une vis qui est tombée, mais je sais pas où. Et une vis qui tombe, on sait pas où, et qu'on voit partir, ça fait un peu peur, j'avoue. Bon alors, la Xbox. Je n'ai jamais vu de Xbox de toute ma vie. Enfin, de ce modèle de Xbox, en vrai, je l'ai jamais vu de ma vie. Voilà. Voilà. Fin de l'anecdote. Tu vas te couper. Mais non, vous en faites pas, j'ai l'habitude. Attendez. Oula. Oula. Ok. À l'intérieur, le packaging est trop bien foutu. Ah ouais, attendez, je vais peut-être faire un truc pour le... Voilà. Vous verrez peut-être mieux, je vais faire ça. C'est vraiment mon... Hop. C'est vraiment mon job, hein. On sent que c'est mon job, quand même. Le packaging est bien foutu, voyons voir ça. Mais elle est où la console? Ah, c'est ça? Pardon. Ok. Hein? Attendez. Wow. Wow. Qu'est-ce... Qu'est-ce que... Attends, mais ils l'ont emballé et tout? Mais quoi? Qu'est-ce que... Waouh, wow, c'est une brique le machin, ça! Waouh! C'est pas une console portable, hein, c'est moi qui vous le dis! Waouh! Wow, le parpaing, quoi! Oh putain! Mais attendez! C'est pas... Aïe, putain. C'est pas fourni avec une manette? Normalement? Attends, mais quoi? C'est vraiment... C'est un triangle noir. Hein. Vraiment, véritablement, ni plus ni moins. Genre... On est d'accord que ça, c'est ce qui va toucher le sol directement? D'accord. Un rectangle, pardon, excusez-moi. Pas un triangle, oui, bien sûr. Excusez-moi. On est d'accord que ça, c'est... Ça, c'est ce qui... Ok. Ok, bah voilà. Je sais pas si vous voyez, là, on voit le gros... on voit le gros ventilo, là. Ouais, on voit un peu. Si je bouge vite, peut-être que ça voit. Ça se voit, pardon. On voit le gros, gros ventilo au-dessus. Et donc, bah voilà. Bah, elle est... Ouais. Voilà, c'est ça. Xbox! T'es mal à la taille de la Xbox, frère! Eh ben, franchement, elle est beaucoup plus petite que ce que je croyais. Genre, sans déconner. Elle est plus petite que ce que je pensais, en fait, la... Regardez, attendez, venez, je vous montre, juste. Xbox!
Voilà le comparatif. Yes. Donc c'est un peu noir sur noir, donc ça se voit pas beaucoup. Mais vous voyez quand même un peu la différence de taille quand même. C'est vrai que c'est noir sur noir, j'avoue. Mais on voit pas. Ouais, c'est compliqué. Hein. Mais elle est, elle, elle, elle est plus petite, quoi. Attendez, qu'est-ce que je peux vous montrer ici? Peut-être... Mettez-moi deux. Hop. Alors. C'est extrêmement lourd, en fait. Voilà. La Xbox. La PlayStation. Là, là, t'as la PlayStation pour jouer à FIFA. Xbox pour jouer à Call of. Vous avez vu, il y a une vraie, il y a une vraie diff de taille par contre. Hein. Je pensais, sans déconner, je pensais que la Xbox était plus grosse. Non? Je pensais vraiment. Je, si t'en fais tomber une, je meurs de rire. C'est très 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 mal me connaître. La, la plus lourde, je peux vous... Je suis super à l'aise là. Mais non. La, la plus lourde, c'est la Xbox. La Xbox est beaucoup plus lourde que la Play 5 en fait. Ouais, 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 vraiment, ouais. Je peux essayer de jongler aussi avec les deux. Je peux prendre la Switch aussi, comme ça, ça me fait 3 balles pour jongler. Comme ça, on va vraiment voir. Mais je pense, ouais, on peut tester. Tu vas jouer à Halo? Non. Non, pas du tout. Voilà. Et voilà. Bah, vous savez quoi? Vous savez quoi? En termes de design, de praticité, etc., etc., je préfère largement la, la Xbox à la Play 5. Hein. Genre vraiment. Hein. Genre, genre largement. Hein. C'est... Elle, bon, elle a, elle a... Tu vois... Elle a... Ouais, c'est... J'ai un peu l'impression de... Bon, je t'ai pris une paire de chaussures. Là, tu fais du 42, hein, c'est ça? Je t'ai pris une paire de chaussures en 42, donc on va voir si ça te va. Mais c'est vraiment... En fait, c'est, je sais pas, c'est plus pratique, tu vois. Parce que là... Je la trouve immonde, la, la Xbox, c'est pas possible. Bah... En fait, en fait c'est... Immonde, je sais pas. En gros, c'est juste un énorme rectangle, quoi. C'est juste un énorme rectangle, rectangle compact, mais en soi... C'est plus en fait, c'est plus pratique. Et plus... ouais, c'est plus pratique. Je trouve vraiment moins marqué, tu vois, comme design. Et donc, tu l'intègres plus facilement dans un... Dans un... Dans un truc de salon, tu sais, dans un petit meuble de salon ou quoi. Tandis que ça, c'est... Et vous avez vu la hauteur? Genre, déjà, c'est plus compliqué, hein. C'est vraiment plus compliqué, hein. Moi, je trouve vraiment que... Moi, je trouve vraiment que la Xbox rentre plus facilement et le design est plus simple, quoi. Voilà. Voilà, voilà. Ça tient mieux sous le bras. En termes de tenue de bras, je dirais que le meilleur, c'est... c'est pareil. Quoique, ouais. Je sais pas. Mais bref. Je suis content, quand même. Je suis quand même content, j'avoue. À savoir que... La, la, la Xbox, on est d'accord qu'elle assume... Je crois que c'est écrit dessus, mais c'est, ça assume un 120 FPS, la Xbox. On est bien d'accord, là-dessus. Hein. Il me semble, hein. Je crois. Ouais. Ça, c'est lourd. Ça, ça, j'avoue, pas encore. Dans ce cas-là, ça dépend des jeux, je pense, mais c'est écrit dessus, hein. Ouais. Hop. Hop, c'est énorme. Il y a plus de jeux 120 FPS sur Xbox que sur... Il y a plus de jeux 120 FPS sur Xbox que sur Play 5. Mais moi, sur Play 5, j'ai jamais trouvé... Enfin... Sur Play 5, les deux jeux next-gen auxquels j'ai joué, c'est Kina et Ratchet & Clank. Il n'y a pas de... Il y a pas plus de 60 FPS, hein. J'ai une idée, mais moi j'ai pas pu jouer à plus de 60 FPS hein, sur les deux jeux auxquels j'ai joué. Ratchet 120? Ratchet 120? Non, c'était du 60, c'était écrit même. Non, c'était du 60, hein. Non.
Ah, je crois, hein. Non, je crois pas, hein. Ratchet, non, Ratchet, c'est du 60. Ratchet, c'était soit 60 FPS 1080p, soit c'était 30 FPS 4K. Si, 100%. Non, 100%. 100%. 100%. 100%. 100%. Le réglage est en cours. Ok, top. Alors, je vais aussi. Alors, ça va vous paraître con. Ça va vous paraître con, mais il y a un autre truc qui me régale. Trop de câbles. Il y a un autre truc qui me régale. Hop. C'est que avec la Xbox, ils te fournissent premièrement une manette ici. Et que moi j'ai des drifts sur ma manette de Xbox depuis quelques temps, bah vous l'avez vu hein, pour ceux qui suivent. Donc ici, je suis content parce que j'ai une nouvelle manette sans drift, donc ça fait du bien. Et aussi, en plus de ça, je crois que c'est une manette. Ouais, voilà, c'est une manette. Oh putain. Bah, ça, c'est des piles. Bon, c'est juste des piles, quoi, c'est énorme. Hop, normal, comment tu joues sans manette? Attendez, j'ai pas terminé, évidemment. Ils te fournissent une manette comme ça et c'est adorable de leur part. Évidemment, avec chaque console est fournie la manette, sinon comment tu joues, par définition? Mais. J'ai la chance d'avoir aussi reçu cette manette. Là. La Shock Blue. Et je pense que je vais plutôt utiliser celle-là, du coup. J'avoue. Un petit peu plus. Waouh. En fait, c'est énorme. En fait, moi, ça, c'est la Shock Blue. Et je me demande si celle que j'avais avant, c'est pas la... La Shock Red, du coup, à tout hasard. Le truc, c'est que ma Shock Red, elle drift maintenant. En fait, je peux pas utiliser celle-là parce que maintenant, elle drift. C'est celle-là. À chaque fois que je vous montre que ma manette drift, en fait, c'est cette manette rouge, malheureusement. J'espère juste que celle-là ne driftera pas non plus, pour être honnête. Sinon, ça va être l'enfer. Mais voilà ma nouvelle manette avec laquelle je vais jouer à partir de maintenant. C'est quoi du drift? En gros... En gros, il y a des déplacements qui se font tout seul au joystick sans que tu fasses rien du tout. Donc moi, par exemple, j'ai un problème avec cette manette où concrètement, quand je mets mon joystick vers le haut, par exemple, et que après je le lâche, bah, ça va continuer à aller vers le haut sans que je fasse rien. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, ça va tout seul vers le haut ou vers le bas, ça fait pareil. Si je fais dans un jeu, si je fais ça, bah ça va continuer à aller vers le bas. Ça drift, quoi. Réglage de zone morte. Non, c'est un vrai problème, quoi. Ouais, tu l'as depuis longtemps. Même pas. Je l'ai même pas depuis longtemps. Je l'ai depuis... cette manette, je l'utilise, je crois, depuis mars. Et c'est étonnant parce que j'ai plein de manettes de Xbox, j'ai jamais eu de soucis avec, quoi. Enfin, j'ai plein. Je suis passé par pas mal de manettes parce que sur PC, je joue sur manette de Xbox. Et bah, j'ai jamais eu ça, quoi, donc je sais pas trop. Garantie. Ouais, je peux probablement faire marcher la garantie, oui, c'est sûr. Ouais. En augmentant la zone morte, ça réduira le problème. Ça réduira, c'est vrai, mais c'est quand même... c'est quand même difficilement jouable. Vraiment, c'est assez hardcore. Bah, je vous l'ai déjà montré, hein, en game, quand mon joystick avance tout seul, bah, je peux concrètement rien faire, quoi. C'est ça, le truc. Merci, Noko. Noko Vabi, merci beaucoup pour le 15e mois d'abonnement. Aiden, merci pour les 300 bits. J'écris ce message, le cœur lourd. J'ai perdu ma maman hier soir. Petit message pour te remercier de me faire penser à autre chose pendant ces quelques jours difficiles. Profitez de vos proches, la vie est trop courte. Aiden, installe-toi. On s'occupe du divertissement ici. Force à toi. Merci à Clone aussi pour le 22e mois. Ma compagne n'a toujours pas accepté ma demande en mariage quand j'étais passé par les messages en avant. Une idée originale. Refais pas les messages en avant, je pense que c'est la pire idée, en vrai. Merci Geekman pour le 19e mois. Merci Larry Time pour le 19e aussi. The Bill, merci pour le 18e. Le chat qui se remplit de cœur. Mister Favreau, merci pour le 8e. Quilem pour le 16e. Pluton pour le 27e. Et Mur de Briques pour le 3e. Merci à vous. Pendant que le chat se remplit de cœur. Mais j'avoue, par rapport à toi qui demande ta compagne en mariage, plutôt que les messages en avant, être là au resto, hein, peut-être. Hein.
Ça peut être pas mal en vrai. Je pense. Je pense que ça peut être une idée, premièrement. Et ben voilà, messieurs, dames, je vous ai montré tout ce que je voulais vous montrer, c'est-à-dire la réception plutôt cool de la Xbox! Et des manettes de Xbox! Voilà.